مثلا إذا أردت أن أقول يبدو أنك لم تفهم جيدا، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il semble que tu n'as pas bien compris. Il semble que tu n'as pas bien compris. Il semble que tu n'as pas bien compris. الآن إذا أردت أن أقول توقف عن قولي أي شيء. نعم، arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. جملة أخرى، أنا أحاول تنظيم نفسي أو أنا أحاول أن أنظم نفسي. Oui, très bien. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, yuhawilu. Et le deuxième verbe, c'est le verbe s'organiser, yani yunaddimu nafsahu. On a le verbe organiser, ma'nahu yunaddim, walakin al-fa'l, ou le verbe pronominal s'organiser, ma'nahu yunaddimu nafsahu. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser. Une autre phrase. أنا لا أمزح، أنا أتحدث معك بجدية. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. الآن عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ حاول أن تفهمني على الأقل. نعم أحسنت. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. جملة أخرى. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك. نعم. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. الآن إذا أردت أن أقول أنت في مزاج سيء هذا الصباح. نعم، tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. الآن إذا أردت أن أقول ليس سيئا للمحاولة الأولى أو بالنسبة للمحاولة الأولى. نعم، pas mal pour
un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Un essai, معناها محاولة. Un nom masculin, اسم مذكر. سنرى مثالا آخر بنفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. لا أعرف هذا المنتوج لكني أرغب في تجربته. نعم، je ne connais pas ce produit, mais j'aimerais faire un essai. Je ne connais pas ce produit, mais j'aimerais faire un essai. كما لاحظتم أصدقائي، تغير معنى الاسم essai إلى تجربة. رأينا في الجملة الأولى معناه محاولة، un essai محاولة، كذلك تعني هذه الكلمة تجربة. Donc essai signifie tentative. يعني محاولة et une expérience يعني تجربة. Je ne connais pas ce produit, mais j'aimerais faire un essai. الآن كيف أقول هذه الجملة؟ أنت متأكد من أنهم سيكونون في المستوى. كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ نعم، tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد بدأ يشكو. كنا قد رأينا سابقا فعل يشتكي، كيف نعبر عنه؟ نعم، il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. On a le verbe commencer يبدأ et le verbe pronominal se plaindre والفعل المركب اللي هو يشتكي se plaindre. Il a commencé à se plaindre. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هو يقول عكس ما يعتقده. نعم، il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Inverse هو العكس. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. جملة أخرى. لقد أهانه مرة أخرى. نعم. Il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. On a le verbe insulter, معناه يهين. Il l'a insulté encore une fois. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أحب الاستيقاظ أو النهوض مبكرا. نعم، j'aime me lever tôt. J'aime me lever tôt. أو يمكن القول كذلك، j'aime me réveiller tôt. J'aime me réveiller tôt. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ توقف عن التباهي. الشخص الذي يتباهى ويفتخر.
نعم، arrête de te vanter. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter. On a le verbe arrêter, يتوقف, et le verbe pronominal se vanter, معناه يفتخر, يتباهى. Arrête de te vanter. عبارة أخرى, هذا غير متوقع. نعم, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est inattendu. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أكن أنتظر هذا. نعم, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ici on a le verbe attendre, معناه ينتظر, كذلك هذا الفعل يعني يتوقع. أي يمكن أن نقول هذه الجملة كذلك قد تعني أنا لم أكن أتوقع هذا. Je ne m'attendais pas à ça. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أنا لا أستطيع التفكير بشكل صحيح. نعم, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Je n'arrive pas à réfléchir correctement. On peut dire aussi je ne peux pas réfléchir correctement. Je ne peux pas réfléchir correctement, c'est la même chose. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد كنت كبيرا أي كبيرا في السن بما يكفي لأفهم. نعم, j'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. Assez يعني بما يكفي. J'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. Ailleurs. Ailleurs, ça veut dire un autre endroit. يعني في مكان آخر. Ailleurs. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أرى الضوء الأحمر كان رأسي في مكان آخر. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. Le premier verbe, c'est le verbe voir, يعني يرى, conjugué au passé composé. الفعل يرى صرف في الماضي المركب. Aussi, on a le verbe avoir, j'avais, conjugué à l'imparfait, صرف في الماضي الناقص. فعل يملك, فعل الملكية. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أنا لا أحب هذا المكان لنذهب إلى مكان آخر. خذ وقتك في التفكير. نعم, je n'aime pas cet endroit, allons ailleurs. Je n'aime pas cet endroit, allons ailleurs. On a le verbe aimer, يحب, conjugué au présent de l'indicatif.
فعل يحب مصرف في المضارع أو الحاضر الدلالي. Aussi on a le verbe aller, يذهب conjugué à l'impératif, صرف في صيغة الأمر. Allons ailleurs. Je n'aime pas cet endroit. Allons ailleurs. Partout. Partout يعني في كل مكان. Partout. الآن إذا أردت أن أقول رتب غرفتك، يوجد فوضى في كل مكان. نعم، range ta chambre، il y a du désordre partout. Range ta chambre، il y a du désordre partout. On a le verbe ranger, فعل يرتب مصرف في صيغة الأمر الامبراتيف. Range ta chambre, il y a du désordre partout. Parfois, parfois يعني في بعض الأحيان أو أحيانا. Parfois. الآن إذا أردت أن أقول أنا أراه أحيانا يوم الخميس يأتي مع أطفاله أو مع أولاده، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم، je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. Je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. Répète avec moi haute voix. Je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. جملة أخرى. أختك تتصرف أحيانا بدون تفكير. نعم، ta sœur agit parfois sans réfléchir. Ta sœur agit parfois sans réfléchir. On a le verbe agir conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يتصرف، un verbe de deuxième groupe، فعل من المجموعة الثانية، مصرف في الحاضر الدلالي. Et le verbe réfléchir يعني يفكر. Ta sœur agit parfois sans réfléchir. Ici. Ici معناها هنا أو الآن. سنتعرف على هذا من خلال الأمثلة. Ici. الآن إذا أردت أن أقول تعال إلى هنا أنا أنتظرك. Oui, très bien. Viens ici, je t'attends. Viens ici, je t'attends. On a le verbe venir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, يعني يأتي, conjugué à l'impératif. Et aussi on a le verbe attendre, يعني ينتظر, un verbe aussi de troisième groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Viens ici, je t'attends. جملة أخرى، لقد جئت إلى هنا لأرتاح أو لكي أستريح. نعم، je suis venu ici pour me reposer. Je suis venu ici pour me reposer. Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe, conjugué au passé composé. Et le verbe se reposer, yani yertahu, un verbe pronominal de premier groupe, fa'l murakkab min al-majmoua al-oula. Je suis venu ici pour me reposer. Jumla ukhra. Hatta l'an, lam af'al ayya shay'in ba'd.
Oui, très bien. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. لا لا معناها هناك ولكن سوف نرى معاني أخرى لا الآن إذا أردت أن أقول لا تبقى هناك تعال هنا معي نعم ne reste pas là Viens ici avec moi. Ne reste pas là, viens ici avec moi. Ne reste pas là, viens ici avec moi. Une autre phrase. اليوم ليس هنا. يعني هو ليس هنا. نعم. Aujourd'hui, Il n'est pas là. Aujourd'hui, il n'est pas là. جملة أخرى. تعال لرؤيتي في ماي يعني في شهر ماي لكن اتصل بي بحلول ذلك الوقت أو حتى ذلك الحين. نعم viens me voir en mai mais téléphone-moi d'ici là viens me voir en mai mais téléphone-moi d'ici là كما رأيتم أصدقائي يتغير دائما المعنى حسب الجملة رأينا لا معناها هنا هناك كذلك تعني إلى ذلك الحين أو حينها أو بحلول ذلك الوقت viens me voir en mai mais téléphone-moi d'ici là Suffisamment. Suffisamment, يعني بما يكفي أو بما فيه الكفاية. Suffisamment. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتمنى أن يكون ذلك واضحا بما يكفي. نعم، j'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. Infiniment. Infiniment يعني بلا حدود أو جزيلا عندما تقول للشخص شكرا جزيلا. يعني بلا حدود جزيلا. Infiniment. الآن إذا أردت أن أقول أنا أشكرك جزيلا على مساعدتك لي أو شكرا جزيلا لك على مساعدتك لي نعم Je te remercie infiniment de m'avoir aidé Je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Empêchement. Empêchement يعني مانع أو عائق. Empêchement. الآن إذا أردت أن أقول أنا آسف لتأخري كان لدي مانع. نعم، je suis désolé d'être en retard. J'avais un empêchement. Je suis désolé d'être en retard. J'avais un empêchement. Je suis désolé d'être en retard. J'avais un empêchement. À peine. À peine يعني بالكاد أو للتو.
À peine. الآن إذا أردت أن أقول بالكاد كان لدي الوقت لأسرح شعري أو لأصفف شعري. Oui, très bien. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. جملة أخرى. وصلت للتو إلى المنزل ولا بد لي من إعداد العشاء. Oui, très bien. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Exprès. Exprès يعني عن قصد. عمدا يعني متعمد. Exprès. الآن إذا أردت أن أقول لقد فقدت مفاتيحي مرة أخرى لكنك تفعل ذلك عن قصد. نعم, tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. Tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. Tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. On a le verbe perdre, un verbe de troisième groupe, ma'nahu yafqidu, conjugué au passé composé. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول هل يمكنك تكرار ما قلته؟ كان عقلي في مكان آخر أو كان ذهني في مكان آخر؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.